Putain, mais c'est pas vrai, c'est de pire en pire cette langue. Range la tienne. Range ta langue, mange des mangues. Ah là là, j'ai honte. Quoi de mieux que de faire caca avant d'aller à une soirée où on va parler de caca, hein? J'espère que quand je vais arriver, les gens ils seront pas torchés. Tu fais caca? Ouais, c'est souvent, régulièrement. Régulièrement? Ouais. Et t'aimes bien? J'adore ça. Tu fais caca? Mais je suis un peu constipée. T'es un peu constipée en ce moment? Moi aussi! J'ai des cachets! Yeah! Ouais! Alors, un livre sur le caca, t'avais pas d'autres projets? Enfin, c'est vraiment le caca ton truc? Bah moi, c'était le caca. On m'a dit, est-ce que tu veux écrire un livre? J'ai dit oui. Sur quoi? Sur le caca, évidemment. Quoi d'autre? Et, bah non, ouais. C'est une rencontre, excusez-moi. Ah, merci! Oh putain, merci, merci. Attention, c'est une biographie sur le caca, ça parle de la vie du caca? C'est la vie du caca de sa naissance à sa mort. Donc à la défécation, finalement. Et à toutes ces expressions de la plus classique à la plus artistique. Et donc, une suite peut-être, le caca 2. Le caca 2, il reste plein de choses à raconter. Plein de choses à raconter. Très bien. Merci beaucoup. Et Julien Méniel, c'est dans toutes les librairies? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est une agression en fait. C'est un scandale de faire ça. Bonjour tout le monde. Je suis mal à l'aise. Putain! Ça filme là! Allez! Y'a plus de temps, y'a plus de temps! Bah alors on change! Il vous ennuie le mec là? Non. Depuis tout à l'heure, je la filme de loin et je s'emmerde. Je suis le mec le plus sympa de France. Je t'ai vu. Les gens qui se mouillent la main. Vous allez vous mouiller la main ensemble? Ouais, on va se mouiller la main. Allez. Tu viens avec le monsieur? Ah bah ouais. On fait ça avec toi et tes filles. Ouais, allez. C'est cool, c'est pas glauque. Alors, on enlève le haut déjà. C'est 13-9 movie. Hein. Ça résonne et ah, tout. Tu te le mets là, toi? Je le colle? Ah bah ouais, ok, mais il va falloir te mouiller après. Ouais. Oh, tu vas filmer ça? Ouais, ouais. Cool, ciao. On va faire couper la cellulite. T'es prête? Ça va pas faire mal. Attends, mais ouais. Ah bah, mais attention, t'es prêt? Ouais, vas-y. Ça a gagné un peu, ça fait un peu froid là. Ouh, ouh. Encore. Ouh, c'est froid. Encore. Ouh. Encore. Ouh. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est bon. C'est chaud. C'est bon, enfin, moi, quoi. Retire. Oh tiens, que voilà, ça marche jamais sur ma tête. Ah putain là. Mais t'es sûr que t'as décollé ce qu'il faut? Pourquoi Lolo, pourquoi t'as dit ça marche jamais? Parce que ça marche jamais, mais t'as la meuf, elle a une peau hydro. Les calcomanies, ça marche pas. Elle a une peau qui prend pas les délits. Non, jamais, ça n'a jamais marché. Les calcomanies, c'est normal hein, parce que c'est pas sur la peau. Attends, d'ailleurs, tu m'y fais penser? Que j'ai pas dû bien enlever, c'est pas ouais, possible. Mais c'est pas vrai. Les décalcomanies, ça existe plus, je crois, quasiment. Mais c'est ça, un décalcomanie. Mais non, ça c'est un tatouage. Mais non, c'est un décalcomanie. Mec, ça c'est pas un tatouage. Et voilà. Il a pas collé mon tatouage. Ah, parce que peut-être t'as pas enlevé le. C'est enlevé. Là c'est mieux. Ouais, non, il a pas collé. Elle dit que ça ne marche pas sur sa peau, si. Les tatouages. Ça n'existe pas. Ah, on est d'accord. Elle est folle. Je vais mettre le seum. Allez, les narcos. Non, pas. Pourquoi ça n'a pas marché sur toi? T'as une peau hydro. Qui aime pas les tatouages. Hypoallergénique. Allez, c'est bon maintenant. Allez, c'est bon. Ça marche pas? C'est pas moi. Oh, c'est votre tatouage de merde. Ah, je sais pourquoi ça marche pas. Il fallait l'enlever dans un certain sens. Regarde. Mais il y a pas de sens sur les tatouages. Salut. Salut. Tout va bien. Ça a marché. Tu peux me le faire? En fait, il y a que le gars qui a fait le livre qui sait faire quoi. Parce que j'ai pas autre chose à foutre, mon vieux. Hein? Mais c'est pas ça le livre. C'est pas 120 pages sur comment mettre un tatou de caca? C'est 120 pages illustrées de tatouages. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais le dire quand même. Il vient de mettre son doigt sur ma bouche alors qu'il venait de pisser. Faire pipi, est-ce que je peux pisser pendant cette histoire? Oui! Bah vas-y. Oui! Ça oui, marche. Bravo! Putain, je vais pouvoir mettre des patates au caca. Des patates au caca. Des patates. La merde. C'est Lolo la merde. Ça pue la merde. Ouais, c'est Lolo. C'est Lolo qui fait le caca. Lolo, tu crottes? Ah. Oui, mais...
Ah non, non, ouais. Une petite eau. Ah, t'as vraiment chier ici? Ouais, mais... Oui. Ah. Bon, je me casse parce que comme vous l'avez vu, c'était une ambiance de merde. Journal du 19 avril 2018. Il est 9h30 et j'ai rendez-vous chez Poulpe à 10h. Je suis un peu en retard pour qu'on développe ensemble la BD Alain au pays des merveilles. Qu'est-ce qu'on fait ? Salut, on est le 19 avril, c'est bienvenue sur Astérix Devi. Alors, c'est parti pour 18 stories à la suite. Top. Sur quoi on travaille ? T'as changé de voix, c'est la voix du travail. Ouais. On travaille sur l'adaptation BD de... L'adaptation BD ? De l'adaptation BD des Chevaliers du Fiel. Les Chevaliers du Fiel ? Ça va s'appeler les Chevaliers du Fiel. Mais avec des avions. D'accord. Donc on peut pas vraiment faire de promo avec toi, en fait. Ah, on fait la promo, pour de vrai, on fait la promo. Oui. Mais la BD, elle sort dans au moins un an. Un an et demi, ouais. Deux ans. D'accord. Vaut mieux être en avance. Ah là, courez l'acheter. Courez l'acheter. Bah, je crois que c'est bon. À part le titre, peut-être. Alain au pays des merveilles. J'avais oublié. Courez l'acheter. Hashtag. C'est ça, faut mettre des hashtags. Oui, faut dire hashtag. Hashtag. Comme ça, on monte dans les tendances. Peut-être que j'ai un pantacourt, mais toi t'es un putain de gaucher. Oui. Et alors, qu'est-ce que ça peut te fiche ? Drôle de chanson, maison. C'est une drôle de maison. Ouais. Tu connais pas encore, hein ? Bon, je reviens la semaine prochaine et on travaille. Merci. La maison. À bientôt. Au revoir. C'est chiant, hein ? Ouais. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne un rendez-vous demain. Demain, je me fais hypnotiser. On verra. Et rendez-vous samedi à Nice à la FNAC. Je dédicace le matin, fin de matinée et l'après-midi à partir de 15h. Voilà. À bientôt. Abonne-toi à ma chaîne, si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos. Si tu veux, je force à rien. Je suis comme ça.